Arthur Remy, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire du premier arrondissement. Je vous ai invité ce matin pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre arrondissement, justement, puisque mercredi, la maire Nathalie Perrin-Gilbert a tenté de vous virer de votre mandat d'adjoint, comme d'ailleurs deux autres ou trois autres de vos collègues, et après vous avoir déjà retiré vos délégations. Alors, la tentative a été plutôt ratée, puisque seuls quatre élus ont voté pour la proposition de la maire, alors que sept autres vous ont, vous, soutenu. Alors, pourquoi cette guerre contre Nathalie Perrin-Gilbert? Est-ce qu'il y a un problème politique de fond, ou alors c'est simplement un problème de personne? Alors, je ne dirais pas que c'est une guerre. Ben, moi, je l'ai dit. Oui, vous pouvez le dire, mais pour ma part, je ne crois pas que ce soit une guerre. C'est un vrai problème politique de fond que nous avons entre Madame le maire du premier arrondissement et le groupe des élus de la manufacture de la cité, qui est majoritaire au sein du conseil du premier arrondissement. C'est un problème politique sur la conception que nous avons et le rôle des élus. Nous pensons qu'effectivement, le management d'une équipe politique doit se faire dans une relative participation et dans une relative transparence entre élus. Et ce n'est pas ce que pratique Madame le maire. Donc c'est un problème de personne quand même. C'est son attitude personnelle plus que ses orientations politiques. Pour nous, la forme est tout aussi importante que le fond. En matière de politique. C'est d'ailleurs ce que nous défendons avec la Manufacture de la Cité, notre mouvement politique, une certaine forme de renouvellement des pratiques politiques que n'incarne plus Madame Perrin-Gilbert. Alors, Arthur Remy, dites-moi, Nathalie Perrin-Gilbert vous reproche, une des choses qu'elle vous reproche, c'est de ne pas avoir réellement rempli vos fonctions d'adjoint. Elle vous a, vous, reproché directement de ne pas avoir assisté à plusieurs réunions de préparation du budget, puisque vous étiez en charge notamment des finances. Ça, c'est l'interprétation de Madame Perrin-Gilbert. Vous êtes là pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Et si vous avez la majorité, c'est que j'imagine que vous n'êtes pas le seul à défendre votre position. Non, mais enfin, pour tous les élus de la manufacture de la cité, donc les six élus qui composent notre groupe, nous avons, depuis 2014, mené un certain nombre d'actions, un certain nombre de projets, qui se sont traduits par des réalisations concrètes sur le premier arrondissement, et bien au-delà. Pensons-moi. Quelques exemples sur ce que vous avez pu mener, parce que quand même, ça intéresse ceux qui nous écoutent. Ils veulent savoir ce qui se passe. À titre personnel, j'ai pu mener le dossier de la Martinière jusqu'au bout, puisqu'elle a ouvert il y a quelques années, la requalification de la rue Léno, notamment, pour d'autres élus comme Fatima Berachet, qui était... Qui est l'adjointe à la culture. Non, à l'éducation. À l'éducation, pardon. Et à la petite enfance. Bon, elle a mené un projet de rapprochement entre les écoles et le domaine de la petite enfance, les crèches. Projet de réunion qui a été récupéré ensuite par la ville, qui est menée maintenant à l'échelle de tous les arrondissements. C'est elle aussi qui nous a suggéré le conseil d'arrondissement des enfants. André Gachet, qui s'occupait un petit peu des questions d'action sociale, de logement au sein de la mairie du premier, voit ses conclusions et ses expérimentations sur le premier être agrandi et élargi à l'échelle métropolitaine. Enfin, donc on a un bilan de la part des élus de la manufacture de la cité qui est plutôt conséquent, qui est lié à un travail et un engagement sur le premier arrondissement et que nous défendons. Alors, Nathalie Perrin-Gilbert n'a plus la majorité, ça c'est clair, c'est vous qui l'avez avec votre mouvement. Est-ce qu'il y a un risque de blocage? Alors, on est dans une situation un peu compliquée, effectivement. C'est-à-dire que, à la fois, nous avons des adjoints qui sont adjoints, mais Madame Perrin-Gilbert refuse de rendre des délégations à ses adjoints. Donc, effectivement, du coup, on est dans une situation où les adjoints ne peuvent plus mener les projets sur lesquels ils étaient engagés depuis 2014. Donc oui, il y a une forme de complexité là. Vous n'avez plus de délégation, est-ce que ça vous empêche de travailler quand même, ou est-ce que vous pouvez continuer à faire des choses? Les élus de la manufacture de la cité restent tout à fait attachés aux habitants du premier arrondissement, à leurs services. Ils continuent à les rencontrer régulièrement. Enfin, être un élu de proximité, c'est être aussi reconnu finalement dans la rue, et donc être en capacité, on est en capacité finalement d'accompagner des habitants, des porteurs de projets sur leurs différents projets. Moi, je suis élu au conseil municipal, ça me permet de rencontrer un certain nombre de mes collègues dans ces instances, André Gachet au sein du conseil métropolitain. Et puis surtout, je pense que notre force,
c'est d'être attaché à un mouvement politique, la Manufacture de la Cité, qui nous permet aussi et avant tout de produire des idées et d'élargir un petit peu le cadre de réflexion quotidien d'un élu de proximité. Alors vous avez, Arthur Remy, annoncé votre intention de monter une liste aux prochaines élections municipales, au moins sur le premier arrondissement, mais peut-être ailleurs. Est-ce que... Alors, c'est pas mon intention personnelle, soyons clairs, c'est l'intention de notre association, la Manufacture de la Cité, qui, au cours de ses voeux, a annoncé qu'il y avait l'opportunité sur ce mandat, enfin sur ces élections de se présenter. Il y avait de grandes choses à faire, notamment la question métropolitaine est absolument centrale pour nous. On va être dans ce premier mandat réel de la métropole, donc on accepte ce fait de l'institutionnalisation de la métropolisation. Et donc du coup, nous sommes en train de rencontrer avec notre mouvement un certain nombre de partenaires politiques dans le cadre d'une volonté, d'un rassemblement, d'un rapprochement. Avec notamment les écologistes, j'ai vu le Parti communiste. Le Parti socialiste, Génération. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec Mme Perrin-Gilbert, qui elle aussi veut partir à ces élections ? En fait, la question des alliances et la question des rapprochements, elle doit se faire avant tout sur un projet clair. Oui, mais est-ce que si... Avec Mme Perrin-Gilbert, votre problème, c'était aussi sa conception du pouvoir. Il y a d'une part ça, qui pour nous est un point de clivage. Voilà. Donc qui fait que le rapprochement est difficile. Et puis par ailleurs, on a quand même noté depuis une année environ... une forme de déresponsabilisation qu'elle avait dans ses propositions. Quand elle nous propose la gratuité des transports en commun, ce n'est pas forcément quelque chose qui, pour nous, relève finalement de la responsabilité politique et qui pourrait être aussi un élément de clivage dans les prochaines discussions que nous pourrions avoir. Ouais, on a, grâce à vous, un peu mieux compris ce qui se passait dans le premier arrondissement. Arthur Remy, je vous remercie. Merci à vous.